Bonjour, je suis le docteur Lombard, je travaille à Nancy dans l'est de la France et vous êtes ici à la Solim, un centre privé d'imagerie médicale. Nous sommes 19 radiologues et nous travaillons sur 3 IRM, 2 scanners, un PET scanner et 2 gamma caméras. Nous sommes adossés à la clinique de Gentilly qui est une clinique généraliste où se trouvent environ 400 lits et 120 praticiens spécialistes qui travaillent sur ce site. Nous avons donc 2 scanners et sur lesquels nous réalisons 18 000 examens par an et nous cherchions à changer le scanner qui est situé dans la clinique sur lequel nous réalisons les patients qui viennent des urgences, les patients de la clinique mais aussi les patients externes. Nous voulions donc un scanner assez polyvalent qui permette de réaliser ces imageries très différentes avec également de l'imagerie interventionnelle. Nous voulions également un scanner qui nous permette d'avoir accès aux dernières technologies et notamment la réduction des doses. C'est un problème important actuellement. Le choix du protocole se fait directement à côté du patient, sur le statif. Ces protocoles sont présélectionnés grâce à la description qui est récupérée dans le RIS. Il y a donc une continuité dans la prise en charge entre la description clinique et le choix du protocole directement par le manipulateur. Il y a donc une caméra 3D au-dessus du patient qui scanne intégralement le patient lors de son installation et qui permet de détecter précisément et de manière automatique l'isocentre du patient et les points de centrage pour réaliser les scouts. Il y a donc un gain de temps et important puisque toutes ces étapes étaient faites manuellement par le manipulateur alors qu'ici elles sont faites automatiquement par la machine, ce qui laisse plus de temps au manipulateur de s'occuper du patient. Je suis manipulateur radio, je travaille au nouveau scanner équipé de la caméra. Nous utilisons cette caméra tous les jours près de chaque patient. Cette caméra nous facilite la vie. Il y a également des écrans tactiles situés dans le scanner qui nous permettent de programmer toute l'informatique nécessaire à l'acquisition d'un scanner à côté du patient. Le Revolution Maxima a changé notre façon de travailler. Grâce à lui, on va plus vite, c'est plus facile et pour le confort du patient, c'est beaucoup plus agréable.